Salut les petits loups, on se retrouve sur Elden Ring pour reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire à Nokron. Donc Nokron, alors normalement, si j'ai bon souvenir, on va se retrouver devant la larme imitatrice. Du coup, j'ai envie de faire un petit truc un peu rigolo. Ah putain, j'avais pas augmenté, merde. Ah, c'est pas grave. Tu me diras, attends, j'ai peut-être le temps. J'ai peut-être le temps de l'augmenter à fond avant d'y aller. Histoire de faire le petit concept rigolo, l'arme imitatrice contre l'arme imitatrice et joueur. Ça peut être très drôle. Parce que le concept de l'arme imitatrice, c'est quand même de... Voilà. Là, c'est bon. L'arme imitatrice, c'est quand même le concept de reprendre intégralement un perso. Et j'aime beaucoup l'idée. Et on reprend. On a juste évité les ennemis. Mon but c'est juste d'aller en bas, d'aller au plus vite. J'ai déjà récupéré tout ce qu'il y avait. Il me semble en tout cas. Ah oui, je crois qu'il y a un prêtre relou. D'ailleurs, j'ai jamais trop compris pourquoi. Au moins, c'était rapide. Allez, on va rigoler un peu. Ça va être Darim contre Darim contre Darim. J'ai jamais utilisé cette lame. Ça, c'est trop drôle. Oula! Je crois que j'ai... Non, je n'ai pas évoqué la règle, donc je vais pas la faire tout de suite, là. La règle comme quoi je suis un exercice physique à chaque mort, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, ça compte pas. Non, en vrai, là, ça compte pas pour cette première mort-là, mais je le ferai après. Donc je rappelle, si je meurs, je fais la planche ou je fais autre chose, mais... Merde! Sale petite ordure! Je vais m'occuper de lui parce que lui va m'emmerder. On va se redonner un peu de stats quand même. Ah, ça me dégoûte, je me suis fait défoncer par moi-même, quoi.
Ah merde, il utilise aussi le weapon art. Je vais arrêter de l'aider. Ça, c'est vraiment. Je me regarde en train de m'affronter. Bon, allez, je vais juste aider un petit peu ma petite larme. Hop, voilà. C'est juste pour profiter un peu du show. Mais du coup, je sais pas, est-ce que je le ferai sans les invocations, c'est plutôt cool franchement, mais faut que je réfléchisse si je continue de les utiliser ou pas. Je sais plus si c'est pas un truc là-bas. Sans déconner, je pouvais faire le tour depuis le début ou... non, c'est juste qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout ici. Pourquoi s'embêter à faire le tour quand tu peux juste te téléporter? Mais non! Putain, j'ai raté ça. J'espère qu'elles réapparaissent bien. Hein. Anna. Ok, donc là on a beaucoup d'aigles. J'avoue que je me rappelle plus trop de cette zone. On l'a déjà fait, mais c'est la zone, je m'en rappelle peut-être le moins. Je me souviens juste qu'il y avait un loup qui était très chiant. Ça, je m'en rappelle. Il y a plein de trucs dont je me rappelle pas, mais le loup, je m'en rappelle très bien. Très casse-noix. Donc là-bas, c'est le palais Mogwin. Flèche chanter, ça je me rappelle pas. Par contre, il devrait vraiment y avoir un signal pour dire ah, ça y est, là vous pouvez invoquer Torrent, là vous ne pouvez pas, parce que des fois je l'invoque pas alors que je pourrais, d'autres fois j'essaie de l'invoquer alors que je ne peux pas. Mm-hmm.
Par contre, t'es du mauvais côté, mon gars, c'est de l'autre côté. Donc là, il y a la grâce. J'ai pas mis de me faire bombi quand même. Ce qui est bien avec cette tenue, c'est qu'ils m'entendent pas. Et ça, j'avoue, c'est vraiment... Je peux faire les trucs dans leur dos et s'en rendre pas compte. Donc là, il y a le stupide loup de Radagon là, qui me casse les noix. Plus que de raison. Oui, je l'aime pas. Je n'aime pas le loup de Radagon. Vas-y, en plus, il fait le tour, ce connard. Connard! Oh non. Par contre, si tu m'as repéré, mon grand... Putain, il m'a repéré, ce con. Vas-y, tu sais quoi, on va rigoler un peu. C'était où? C'était là, c'était là. Allez, voici. Tu m'as niqué tellement de fois avant, je compte bien me venger. Le loup. Oh non. Mais ils sont juste infernaux, putain. Ils sont 56 000 sur moi. Je te jure! Il déconne pas, pourquoi je peux plus l'invoquer? Il y a zéro... Putain de loup! Putain, mais sans votre pote abruti, là! Mais je vous déteste, bordel! Mais c'est pas possible! Putain de... Je m'en fous, j'en fais pas là. J'en fais pas ici. Ils me font chier, ces connards de loups! Il y a 36 milliards! Oh bah, fiche de Marika. Putain, ils font chier. Conneries de loups. Ah, putain, comment compléter une journée de merde, tu rajoutes des loups. Bah vas-y, le truc de Marika, il est en plus, c'est plus loin. Truc inutile. Faut vraiment qu'on m'explique par contre pourquoi il s'est barré. Alors. Ils veulent rigoler les loups. Ok, on va rigoler. Ouais, là, je suis pas très content. J'avoue que les loups, là, ils m'ont cassé les couilles. Et j'en ai marre. À chaque fois, en fait, c'est à cause des petits. Si je me concentrais sur le grand, il n'y aurait aucun problème. Tiens, connard de loup! Ah ouais, genre ça n'aurait pas marché. Voilà! Ça va les loups? Tiens, bouffe ça! Connard de loup! Putain, alors toi... Toi aussi!
On va nous trouver notre enfoiré, hein, qui va suffisamment casser les noix. Oui, c'est ordure. Où est ce connard de loup? Ah, te voilà, copain. On pourra faire les exos après si vous me le demandez. Si vous ne me le demandez pas, je ne le ferai pas. Mais... mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas me foutre la paix deux secondes, non? Bon, puisque les rats se sont donné la mission d'être casse-couilles. Voilà. Bientôt fini, non? Ça c'est la créature qu'il faut réveiller pour accéder au boss un peu spécial. Ok, alors toi, voilà. Foutu de me foutre la paix. Ils ont un truc à faire, c'est de pas m'embêter. Et ils font quoi? Ils viennent m'embêter. Bon, on va faire une saute de grâce parce que j'ai plus rien en termes de potions. Merci le loup, là, le loup stupide qui est bien mort maintenant. Pas de message dans le chat, donc pas d'exercice physique. Voilà. Bon, je triche un peu, mais là, ouais. Prochaine fois, je ferai 20 pompes si je meurs contre l'esprit là, l'esprit de la forêt.
Parce que je crois que c'est d'abord tu vas à l'esprit et après tu vas visiter la ville un peu en contrebas. J'ai jamais vu la géante là. Et bien, ce sera l'objectif. Ça c'est le vrai boss. Il y a le fou qui est dans un autre endroit, mais là c'est le vrai boss. On va prendre cette classique là. Combat magnifique d'ailleurs. Non, je croyais. Ah, mais il se régénère en fait! Ordure! Toujours aussi beau ce combat. Donc là. C'est bon pour cet endroit-ci. Où je suis con, j'aurais eu de ça. Voilà ce que j'en pense. Bon, pas beaucoup de temps, mais on va explorer la ville un peu. Ce sera un live assez court ce soir, genre peut-être un plus long ce week-end, mais là ce soir juste un petit live. Par contre, je me rappelle, c'est tellement... Le sanctuaire de la nuit, c'est un endroit assez fou.
Ah oui, c'est pour s'il y a un PNJ qui vous en... Ah oui, cette 1200, c'est l'archer. C'est l'archer qui vient de tomber. Par contre, j'avoue que ces zones de vide, c'est toujours des endroits... qui me déplacent profondément. J'ai collecté toutes les runes dorées que je me retrouvais à la fin là. On va toutes les utiliser en même temps, ça va coûter, ça va rapporter une fortune. Non, parce que j'étais même pas allé un jour tout en bas. Mais vraiment genre tout en bas, tout en bas, tout en bas. C'est mon objectif la prochaine. Ça, je m'en fous, j'ai pas dépensé. Ça, c'est parce que les fouets en fait ne font pas de mise à mort. C'est vrai, on les obtient pas en faisant. En tuant le boss, on les obtient pas comme ça, les centres de l'arme mutatrice. Ah oui, alors par contre, je me rappelle de ça là. Voilà, prends-moi pas pour un débile. Par contre, c'est quoi ce débile qui vient là? Je sais pas si une boule de métal est sensible au saignement. J'adore dépenser des trucs pour rien. Toute cette bulle, elle peut vraiment faire mal. Et très pénible pour ça d'ailleurs. Dans mon souvenir, attention parce qu'il y a un enfoiré qui se cache. Juste là. Voilà. Ah, il y a une grâce. Nickel. J'adore quand il y a une grâce. Vas-y, on va juste aller taper la bise à la mamie là-bas, puis on va s'arrêter. Un petit live assez court, hein, mais... À la base, je vais même pas y en avoir, donc... Ah non, allez, je retiens la révélatrice. C'était fun, mais... Allez, les gars, on y va!
pas à dire contre les joueurs humains, ça fait toujours aussi mal. Par contre, ce qu'on commence à me dire, c'est clair que le copro il commence à montrer un peu ses limites là. Toujours ce côté hyper pratique où bah, du coup il inflige un statut qui fait que bah, il y a plus de résistance et tout, mais en dehors de ça, il est de moins en moins intéressant. Bon, il y a une petite dame très vieille là-haut. Et, ah, je crois que c'est le téléporteur qui ramène à Rani, ça. Enfin, là où est censé être Rani. La lame des justices, c'est ce que cherchait Rani. Je m'en rappelle. C'est pour ça que la petite dame très vieille, je m'en rappelle, mais en même temps, je m'en rappelle pas. Parce qu'effectivement, on n'a absolument rien fait avec la petite dame très vieille. On a juste récupéré le coffre en dessous, on s'est barré. Ça ramène là. T'es sérieux? Ça ramène le site de grâce? Je suis complètement dingue. Je suis désappointé. Je suis extrêmement désappointé. Juste ouais, avant de quitter, je voudrais voir ce qu'il y a au fond du temple là-bas. Je crois qu'il y avait un truc pas mal quand même. Ah bah alors les connards de loup, hein? Elle est où votre protectrice là, hein? Fais-moi les malins! Ah, je les ai haïs, ceux-là. C'était trop haut. C'était trop haut. Alors, si je fais la mesure, là on en est donc à une session de planche, des pompes et des squats. Pour toutes les fois où on avait fait chier. Voilà, étape par étape, ça va là, on est content. On évite de mourir comme un gland. Ah oui, non, c'est ça, il faut parvenir pour passer par là. Ce qu'il y a là-dedans. Par contre, j'espère que ça vaut le coup. Hein. J'ai aucune confiance en toi là. Voilà. Ah oui, c'est un objet qui permet de faire des trucs ça. Pas très utile. Bon ben voilà, alors donc on a dit on va commencer par 10 squats je crois,
10 squats, 20 pompes et 40 secondes de planche. Ok. Donc, pour fêter la fin du live, je les ai pas fait directement après. Donc, la prochaine fois, je les ferai directement à chaque mort. C'est juste que là, je voulais aller un petit peu plus vite. Que je voulais un peu tout faire. Donc, je me suis contenté de juste jouer et de finir la zone. On ira voir la réaction de Rani après. Ah, j'en ai deux. Ah oui, j'ai le fléau des astres et j'ai ça. Bon, attendez, avant de quitter et de faire surtout mes exercices. Ouais, je sais pas si je l'ai fait devant la caméra. Mais si je l'ai fait. Bon, on s'en fout. Je les ferai la prochaine fois. Franchement, ça a été une journée pas terrible. Non, ça je m'en fous de la Remarika. Donc j'ai déjà récupéré le talisman, mais j'ai jamais récupéré la hache. C'est bien parce qu'il faut l'avoir. Et ça, c'est déluge de Radahn. Ouais, il est quand même sympa, lui. Voilà. Ouais. Ça marche, ma poulette. Très bien. Bon, pas d'exercice physique ce soir-là. Je roule pour ce soir parce que... Voilà. J'ai mes raisons. Demain, bah, soit on continue Elden Ring, mais avec la vraie condition. Soit on fera simplement autre chose. Alors, je regarde juste un truc con. Non, je crois que c'est ça, faut aller derrière et poursuivre par là pour aller sur la duc de la Sofria. Ouais, ok. Donc je vais juste me replacer là pour demain, pour finir un peu l'exploration. Et on s'arrête là. Et sur ce, je vous dis... Je vous souhaite une bonne soirée les loulous. Profitez bien. Ciao !